Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Première station. Jésus est condamné. Tu parlais encore lorsqu'ils vinrent t'arrêter. Tu venais de trouver tes disciples endormis, à l'abri du jardin, à l'abri du sommeil, étourdis d'impuissance. Car rien n'est plus épuisant que de n'avoir rien à faire. Tu leur disais, « Quoi ? Vous dormez. » Toi qui demandais si peu, tu avais cette nuit-là quémandé leur présence, qu'ils fussent là et conscients. Tu t'adressais à eux comme un enfant à ses amis imaginaires, ceux-là qui, on dirait, n'auraient pas peur du noir. Tu parlais encore lorsqu'une tache mouvante, comme l'ombre projetée d'un nuage, coordonnée comme un vol des tourneaux, te prit dans son filet. La condamnation commence là, lorsque Luc écrit, lui encore parlant, voici une foule. Toi encore parlant, saisis dans ce geste qui est tien celui de la parole. Toi encore parlant, car il s'agit en effet de te faire taire. Tu es ce pain qui lève en toi et fait lever les piétinés, écraser le verbe. Tu sais que tu meurs là lorsque toi, encore parlant, il te faut faire refluer les mots à l'intérieur de toi, les mâcher comme on chique une plante et qu'à force de dents et de salive, elle rend son suc dans notre bouche. Il te reste quelques heures pour fabriquer un suc de mots qui te survive. Séparer la chair du verbe et le rendre incorporable à souhait pour tous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Alors tu te dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ce poids concret, autre chose qu'un poids de vent sur la poitrine? Quelque chose de lourd qui vrille le dos, cogne chaque vertèbre, révèle des points de corps auxquels tu n'as jamais pensé. Concentre-toi sur eux. C'est maintenant ou jamais. Les rotules qui ploient, l'articulation des chevilles qui négocie l'équilibre, le muscle trapèze qui se bande pour protéger ta colonne. On dirait des doigts qui s'étirent sur ta nuque et viennent sous ton crâne pomper les pensées vaines. S'il faut rendre ce corps, d'abord, le connaître par cœur. La croix sur toi comme un scanner. Pour un peu, tu aurais quitté ce corps sans prendre la mesure de l'incroyable puissance des ischio-jambiers. Déjà, tu n'as plus tellement de mots. Ils sont broyés par le poids, mixés par les premières lames de la douleur. Les muscles et les os les hachent, c'est une bouillie de mots qui sort par les pores de ta peau.
Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Bouillie de mots et bouillie de chair. La parole flanche, le corps aussi. Tu babilles et tes genoux rompent comme ceux du jeune enfant qui se hisse pour la première fois sur ses deux jambes. Tu retournes à l'enfance, tu rebrousses un chemin existentiel. C'est aussi ce sentiment qu'ont les très vieux, les rassasiés de jour. On dégrandit, disent-ils, mais eux, consignent précieusement ce qui leur reste de mémoire, et leurs proches consignent leurs paroles, comme si elles prenaient du poids en s'approchant de la mort. La mort nous flanque ce vieux réflexe de grenier, nous consignons. Tu dois faire exactement l'inverse de consigner. Et déjà pour cela, il n'existe pas vraiment de mots. Alors, tu tombes. C'est la moindre des choses. Et tu en ressens une sorte de soulagement. Toi qui as si souvent, malgré toi, dû incarner la force, enfin ils vont voir ce qu'ils ne voulaient pas croire. Tu tombes. Le peu de force que tu avais, tu l'as dépensé à essayer de dire que tu n'as pas de force. Ta naissance en disait long à ce sujet. Ta mort, n'en parlons pas. Parlons-en, sans mots adéquats. Tu sais quelque chose que nous ne voulons pas croire. Le maître est celui qui tombe pour que l'élève s'élève. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Vous adorons Christ et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Il fallait s'y attendre. La voilà en travers de ta route, la reine des neurones miroirs. Les mères sont de grandes empêcheuses de mourir. Voilà le souci. Une croix en bois massif ne sera jamais aussi lourde que ce corps gémissant sur le bas-côté de ta route. Soudain, tu n'as plus mal nulle part ailleurs qu'à elle. Elle se tient le ventre comme une femme en travail.
Et tu songes, encore au bord des mots, qu'il y a tout de même une chose à côté de laquelle passe ton incarnation. C'est l'incandescence d'un corps qui donne naissance. Mais voilà qu'elle t'étonne. Elle ne cherche pas le contact. De biais, tu fais rouler tes yeux exorbités par l'effort vers ce corps dont tu peines à croire qu'il a pu t'abriter, toi, l'inabritable. Cambrée, les mains rivées aux hanches, elle marche, lente, et tu comprends que pour finir, elle te porte encore une fois, et encore une fois, ce n'est pas pour te garder, mais pour te mettre au monde. Tu t'en doutes, cela fait mal au ventre. Ta dette à son égard te paraît soudain légère. Tu lui dois de ne t'avoir jamais réclamé aucun dû. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Sur ton chemin de balbutiement, ta mère passe derrière toi et se perd dans un angle mort. Soudain, un courant d'air s'infiltre entre le bois et toi, d'où vient ce relèvement insensé. Pendant quelques secondes, tu te crois pourvu d'elle. Courbé et pivotant, tu aperçois un frère. Toi parlant, c'est le mot que tu aurais dit au sujet de l'étranger qui bande ses muscles contre ta peau pour te protéger du bois pendant quelques pas. Tu aurais dit « frère ». Si seulement il te restait des mots. Et dans ce chaos de syllabes que la légèreté soudaine convoque sous ton crâne, tu penses quelque chose que tu n'avais pas encore pensé. Et en quoi tient pourtant ta raison d'être homme, la véritable énigme? Ce n'est pas celle du mal, c'est celle du bien. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Cette descente aux enfers
et chaque pas qu'elle implique, tu aurais pu l'imaginer. Et d'ailleurs, jusqu'ici, rien ne t'a surpris, à part le secours d'un frère et maintenant d'une femme qui t'essuie le visage. Cela va très lentement. Tu te revois enfant, barbouillé de jus de figue, et la main de Myriam, le lin de son tablier qui sentait déjà tous les repas d'une vie te râpant le visage. Il y a dans le tissu de Véronique une odeur de mère au foyer qui te fait ressusciter et cela, oui, te surprend. Tu n'as pas été surpris par les manigances de Judas, la trahison de Pierre, l'impuissance de Pilate, la couardise de tes disciples. La douleur non plus ne t'a pas étonné. Rien ne te surprend, à dire vrai, à part le secours d'une femme. Santo, Santo, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Tu as toujours vu plus que ce qu'on te montrait. Tu as mis du temps, enfant, à comprendre que ce que tu voyais en plus n'était pas seulement ce que les autres voulaient te cacher, mais aussi ce que les autres ne pouvaient simplement pas voir. Les couleurs, par exemple. Tu as envoyé bien plus qu'il y en avait de mots pour le dire. Tu pensais que le langage se contentait d'approximations, mais en vérité, tu voyais des nuances imperceptibles aux yeux des autres. Il y avait bien peu de mots à disposition pour dire l'étendue de tes perceptions. Tu finis par t'en accommoder. Ces interstices infinis, entre deux mots mitoyens, c'était ton royaume. Et tu voulus inviter l'humanité entière. Mais pour inviter, il fallait des mots, et tu as pris goût au langage. Tu as aimé parler, mesurer à chaque phrase le poids des mots pesés, car tu savais mieux que quiconque peser les mots. À présent, tu penses que tous ceux qui, comme toi, sont passés sous une croix doivent comprendre instantanément ce que tu voulais dire lorsque tu te taisais. Tous ces mots que tu avais réussi à gonfler d'un peu de sens se dégonflent pitoyablement et deviennent minuscules, aussi impuissants que des cailloux au fond d'un puits. Et pour la deuxième fois, tu tombes. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. O croix dressée sur le monde, o croix de
Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent. Et tu n'as pas fini d'en voir des femmes pleurer. Tu leur dis de pleurer sur elles et sur leurs enfants. Tu te doutes que cela ne va pas aller de mieux en mieux. Tu les vois, et un instant, tu oublies la peur et la douleur, et tu retrouves les mots pour celles du bas côté. Pour les monoparentales, qui ne trouvent ni garde ni travail. Pour les battues, qui finissent par croire qu'elles méritent les coups. Pour les migrantes qui tiennent leurs bébés dans des barques tangantes, le choix entre deux morts. Pour les violées qui s'accusent d'avoir eu la gorge tellement coupée qu'elles n'ont pu dire un non qui n'aurait rien sauvé. Pour celles dont les enfants sont violés et battus et qui ne pourront jamais oublier qu'elles n'ont pu empêcher ça. Comment pouvait-elle savoir que le crime viendrait de ce qui se réclame de toi? Alors, ne t'étonne pas qu'elle pleure sur toi. Il y a vraiment de quoi pleurer, vomir, hurler. Car voilà ta première crucifixion. Mais crois-moi, ce n'est pas la dernière. Kyrie eleison. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Tu as donné beaucoup de mots. Pas tant, peut-être. Tu as donné des mots denses, et tout cela maintenant te fuit. Tu ploies sous l'absence des mots. Il n'y en a plus un qui tienne, plus un seul auquel t'accrocher. Toi qui formais des mots tendus comme des perches qu'on attrape encore aujourd'hui, tu creuses ton sillon de silence. Tu sais aussi que c'est à ton silence qu'on mesurera le poids de ta parole. Mais ce silence est un abîme, et cet abîme donne le vertige. Alors, pour la troisième fois, tu tombes. Et voilà la peur. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements et abreuvé de fiel.
Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements et abreuvé de fiel. Plus de mots en toi. Et à l'extérieur, comme un brouhaha, tu ne distingues plus les railleries des encouragements. Et lorsqu'on t'arrache tes vêtements, tu sais qu'être nu n'est plus un problème, mais un accomplissement. Au milieu des acouphènes qui percent comme des épines tes tympans, tu entends une voix intérieure. Et ce n'est pas celle de notre Père, mais celle de la jeune Myriam, penchée sur tes devoirs lorsque tu rentrais de l'école, et que l'angoisse te prenait de ne jamais arriver à tout savoir. Et Myriam te disait, « Un problème après l'autre, mon fils. Un problème après l'autre. » Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît, je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Puisque tu es un homme, tu ne te souviens pas de ta naissance. Mais tu ressens la nécessité de sa symétrie. Comme tu es entré, il te faut partir. Nous y voilà. Et malgré l'insensée douleur qui te fait désirer d'en finir, tu te demandes si tu seras capable de ce dernier rendez-vous. Tu ne te connais pas si bien. Tu imagines que l'heure vient de la connaissance de toi, une fulgurance avant la mort. Tu t'es toujours étonné d'être capable de plus que ce que tu avais imaginé. Tu t'appuies sur cela. D'autres avant toi, et ils sont si nombreux, ont été capables de mourir. Cela devrait être aussi à ta portée. Tu aimerais pouvoir te dire, comme n'importe quel humain, comme une femme qui accouche, que tu n'as pas le choix. Mais ton drame, c'est précisément que tu as encore le choix. Diabolos te l'a dit. Et l'évangile de Luc raconte qu'après t'avoir tenté de trop de choix, il s'est éloigné de toi jusqu'à la prochaine occasion. Te voilà à sa prochaine occasion. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons. Parce
parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Ils t'ont arrêté, toi encore parlant, tenant à la parole. Maintenant, tu ne parles plus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Treizième station. Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Treizième station. Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère. Elle te tient dans ses bras et elle en a fini de toutes les amertumes. Elle a supporté longtemps, en se rongeant les ongles, la toise maternelle de l'avenir des fils. Le mien sera pompier, le mien fera polytechnique, le mien est si doué en art. Elle a vu grandir les héros, les rhétoriciens et les artistes, sans bien comprendre ce qu'on entendait par tout cela. Pour son fils à elle, elle n'avait pas de mots. Finalement, tu le comprends une fois mort dans ses bras. Elle avait perdu la parole avant toi. Elle s'est tue pour te la donner. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatorzième station. Le corps de Jésus est mis au tombeau. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Quatorzième station. Le corps de Jésus est mis au tombeau. Toi, ne parlant plus, nous entendons pourtant parfois des paroles qui nous brûlent et en lesquelles nous te reconnaissons. Comme tout à l'heure, les marcheurs d'Emmaüs, comme tout à l'heure, Marie de Magdala a son simple prénom dit par toi. Toi, ne parlons plus, c'est ta parole nue qui survit à ta mort et nous ressuscite. À quoi la reconnaît-on? À ce qu'on l'oublie aussitôt entendu, à ce qu'elle arrive comme une déflagration, nous saisit et nous lâche. À quoi la reconnaît-on? Une goutte de ta parole et le sol nous hisse au-delà de nos petits possibles. À quoi la reconnaît-on? Il y a à ta parole un grain qui devait tomber en terre pour que je puisse le faire mien.
car toi ne parlons plus. Tu nous donnes la parole. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Distraite du calvaire, scandale de la croix. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, prie. Nous rendons grâce à Dieu.